comment tu vas? Ravi de te revoir aujourd'hui. T'es là pour le long test auditif. Ok, alors aujourd'hui ça va être cool parce qu'on va faire plein de tests. Ah, des tests de chuchotement très proche de tes oreilles, comme ça. On va faire des tests évidemment de devine l'objet où je te ferai deviner plein d'objets. Je vais faire un petit nettoyage des oreilles. Je vais observer tes oreilles avec une lumière. On va faire plein de choses aujourd'hui. Ok, t'es ready? Alors juste, je marque juste un truc, la raison pour laquelle t'es venu pour ce test auditif. Ouais, c'est ce que je me disais. C'est pour ça qu'on avait convié du rendez-vous. Ok, ben c'est parti, on va rentrer directement dans le vif du sujet et commencer les tests qui vont s'enchaîner au fur et à mesure les uns après les autres. C'est parti. Let's go. Donc pour ce test-là, ce qu'on va faire, c'est un test classique des tests auditifs, c'est-à-dire que je vais te chuchoter des mots à droite et à gauche. Et au milieu, pour commencer, c'est très simple, je vais juste voir si tu arrives à entendre les mots que je te dis. Donc tu vas juste répéter les mots que je te dis. On va faire une première série de mots, on va enchaîner lentement. Ensuite, une deuxième série, toujours de mots, où on va faire des mots un peu plus rapides, avec le rythme un peu plus rapide. Et ensuite, on fera les mêmes séries en anglais. Donc c'est parti, première série, les mots lents, et tu répètes au fur et à mesure. C'est parti, je vais chuchoter que des animaux pour te donner un indice. C'est parti, let's go. Allez, on commence. Je te demande de fermer les yeux, de te concentrer au maximum et de répéter ce que je te dis. C'est parti. Cette fois-ci. Ça m'a l'air cool. On va faire la même série. Cette fois-ci, je vais chuchoter des pays. Sauf que je vais le faire plus rapidement. Tout simplement pour voir si tes oreilles arrivent à faire du tac au tac. Ok, c'est parti. Tu te concentres, tu gardes les yeux fermés. Ok. France. Série. Toujours je te jette des villes cette fois-ci, d'un peu plus loin, d'un peu plus près, on va alterner, mais toujours en fast. Sauf que je vais mixer le fast et le slow en même temps. Je vais juste voir si tu arrives à bien comprendre si je dis des mots dans une autre langue. Donc je vais dire des mots en anglais. On va faire une petite session de mots en anglais. Tu vas juste répéter les mots que je te dis. Si tu penses ne pas connaître le mot, répète juste ce que tu entends. D'accord? Ok, c'est parti. Mots en anglais, tu te concentres. Let's go, on fait toujours droite, gauche, milieu. Unbelievable.
Et la deuxième partie qu'on fera tout à l'heure, où je te ferai deviner 5 autres objets, c'est un petit peu aléatoire. Il y aura certains objets faciles, mais la plupart du temps, c'est des objets difficiles parce que je sais que sur ce test, des fois, tu galères. On l'a vu récemment pour certains. Du coup, c'est parti. Alors, premier objet, on va commencer par l'objet le plus facile, d'accord? Donc, je te laisse concentrer. Je vais de même te demander de fermer les yeux pour que ça soit plus réaliste et que tu triches pas. Et je vais faire 10-20 secondes de l'objet, d'accord? C'est le plus facile. C'est parti. Objet numéro 1, numéro uno, comme on dit. C'est parti. Objet numéro 1, le plus facile. J'adore ce petit bruit. Donc est-ce que tu l'as normalement? Objet numéro 1, il est facile, ok. C'était un thermomètre. Objet numéro 2, on step up, on augmente un petit peu la difficulté. C'est parti. Objet numéro 2, là je vais te demander de fermer les yeux à nouveau, d'essayer d'imaginer et d'aller plus loin que le son que tu entends. Imaginez le truc, tu vois. Donc mets-toi en condition. C'est parti. Objet numéro 2. Cet objet numéro 2, c'était un appareil photo. Ok. Objet numéro 3, on donne tout, on donne tout. Objet numéro 3, comme on est sur la... Tu m'as fait peur, copie. Allez, va t'allonger. Allez, mon cœur. Ok, on laisse copie aller s'installer. Qui m'a fait une peur bleue. Désolé si t'as explosé les oreilles, je te les nettoierai après. Ok. Ouais, va falloir se relancer dans le test. Ok, objet numéro 3, il est plutôt facile lui aussi. Enfin, du coup, lui, comme le premier, est facile. Objet numéro 3. Enfin, j'ai l'impression qu'il est facile, mais comme je le vois à chaque fois, donc. Est-ce que tu as une idée de quel est cet objet? Alors, quel est cet objet? Alors, c'était un coupe-ongle, tout simplement. Et voilà les deux bruits que j'ai fait. Donc, est-ce que pour l'instant, on est bon ou on n'est pas bon? D'accord. Enfin, est-ce que tu es au top ou pas? C'est là ça la question. Ok, il reste deux objets sur ce premier. Devine l'objet. On refera le deuxième test après. Allez, je prends celui-là. Je te laisse te concentrer. C'est parti. Objet numéro 4. Donc là, ça sera plein de petits bruits, tu vas voir. Ferme les yeux, hein, ne te fie pas à ce que tu vois. Ce serait de la triche. Donc là, faut vraiment que tu imagines et que tu te laisses porter par le bruit et que
audition qui est des oreilles ouvertes d'esprit, qui imaginent un peu plus que ce qu'elles entendent. Je peux aussi faire ce bruit-là. Yeah. Et je peux enfin faire ce bruit-là. Alors, quel est cet objet numéro 4? C'était un peigne multi-usage, ce qu'on appelle le peigne multi-usage dans le milieu de la coiffure. Et on va faire le dernier objet de cette première session des Devine l'objet, on fera la deuxième session tout à l'heure. Donc pareil, je te laisse te concentrer, c'est parti. Dernier objet. Encore une fois, comme à chaque fois, je demande l'objet précis et pas un petit peu d'objet, vraiment l'objet en question. Ce dernier objet de cette première session des Devine l'objet, c'était un petit labello. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième session des Devine l'objet et on va passer au prochain test. Ce que je vais faire maintenant, c'est observer tes oreilles. Donc je me suis muni de mes petits gants blancs en association avec mon pull, bien évidemment. Je vais observer avec une lumière tes oreilles pour voir s'il n'y a pas le moindre souci à l'intérieur. Ensuite, je vais regarder tout simplement avec la lumière, je vais un petit peu toucher légèrement tes oreilles, voilà, respectueusement et poliment. Et tout à l'heure, je reprendrai mes gants pour faire un petit nettoyage. Pour l'instant, je vais juste faire de l'observation et toucher un tout petit peu. Voilà, comme ça, je verrai le meilleur nettoyage qui pourrait être. Donc ne bouge pas, est-ce que tu peux juste tourner ta tête de ce côté que je voie bien sous cette oreille. Et je vais l'observer quelques secondes, ne bouge pas. Alors c'est parti. Juste observer ton oreille. Laisse-moi juste observer quelques secondes cette oreille, du coup, pour commencer. Ok. Pour l'instant, d'accord, je regarde bien. Ici, là, d'accord. Je rapproche juste un petit peu la lumière pour voir s'il y a des soucis. Si je te les tire légèrement, respectueusement et poliment, est-ce que tu peux me dire si tu sens le tirage d'oreille à la même intensité? Ça m'a l'air pas mal. On va passer à un prochain test pour l'instant tranquillement. Et ensuite, je reprendrai la lumière pour faire les nettoyages tout à l'heure quand tes oreilles seront habituées au test. Ok, c'est parti. Alors, très bien pour ces tests. Maintenant, on va passer à un test. Donc, je t'avais dit qu'on allait revenir
regarder des comptes de 1 à 30. Et je vais à chaque fois, bon, tu connais un petit peu ce test au fur et à mesure, enfin à force, je vais à chaque fois oublier un seul des numéros. Ton but, c'est de te concentrer au maximum et de me dire quel numéro j'ai oublié. On va faire deux sessions, donc toujours droite, gauche, milieu. Une session en slow et une session en fast. La session en slow, on ira de 1 à 20. La session en fast, de 1 à 40. J'oublie un seul numéro à chaque fois. C'est parti, ferme les yeux, concentre-toi. Let's go. Session fast, session slow. Tu l'as vu, j'en ai oublié deux. Voilà, je me dis qu'en fait, je peux en oublier autant que je veux. Comme ça te force à te concentrer jusqu'à la fin du décompte. D'accord? Ok, on continue. De l'autre côté. C'est un peu de suspense, ok, on fait la même chose en fast de 1 à 40. Ok, même chose, on alterne, on va commencer. Allez, on reste sur la même base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33, 36, 37, 38, 39, 40. Un peu plus dur. Ah, ok, déjà de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Super, et au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok, super. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal. Maintenant, on va chuchoter, enfin, je vais chuchoter en inaudible quasiment des mots, des numéros, très très doucement. Et tu devras discerner le numéro que je chuchote, ok? Sauf que là, je vais le dire tellement doucement que ça va être plus dur pour toi. Ok, c'est parti. Ok. Pour l'instant, on va faire une petite session où je le répète plusieurs fois pour te donner plus de chances de le trouver. Et une autre session où je le répète qu'une seule fois. D'accord? C'est parti. Alors, c'était 41. Ok, on va en faire de chaque côté. Ok, on en fait deux autres. C'était 92, ok. C'était 204, d'accord. Maintenant, on va refaire la même session, sauf que je vais le shotter qu'une seule fois, donc ça sera un petit peu plus dur pour toi de le trouver. C'est parti. Concentre-toi. 49. 404. Ok, super pour les petits décomptes et le petit test avec les numéros. On passe tout de suite au prochain test. Let's go. Alors, on enchaîne avec la deuxième session des devine l'objet. Tout à l'heure, je t'ai fait deviner 5 objets. Je sais pas si t'as réussi au top ou pas. C'était plutôt compliqué. Là, on va te faire, je vais te faire deviner les 5 derniers objets. Donc, c'est parti. On perd pas de temps. 5 nouveaux objets à deviner. Pour voir si ton audition est au top du top ou alors s'il n'y a pas eu d'amélioration et que ton audition reste down, down, down et en mode bousasse, hein, en mode bouse, voilà. Tu me diras si ton audition est au top du top ou en mode bousasse. Donc c'est parti, objet numéro 6 à deviner du coup. Let's go, je te laisse te concentrer et c'est parti.
tu l'as trouvé celui-là. Ok. Objet numéro 7, du coup, à trouver. C'est parti. Oh, je te tourne un peu le visage. Objet numéro 7. Alors là, c'est très aléatoire. Je peux faire qu'un seul bruit avec cet objet. Donc, je vais faire du tapping et gratter l'objet. Donc, c'est parti. Objet numéro 7. Si celui-là, tu le trouves, c'est. Si cet objet, tu le trouves, vraiment, je t'invite à faire une collaboration. Toi et moi en duo pour le prochain test auditif, vraiment. Est-ce que t'as une idée? Ah, il est dur celui-là, j'avoue qu'il est dur. Allez, essaye de te concentrer, de te focusser. Dire quel est cet objet, quel pourrait être cet objet. Essayez d'aller au-delà du tapping. Essayez d'imaginer l'objet dans ta tête. Ok, quel est l'objet? Alors l'objet était un canard en papier et j'attendais que tu me dises un canard en carton, un petit canard en bois, en carton, en bois. Voilà, un petit canard. Voilà, tout simplement. Okay, objet numéro 8, c'est parti. Donc là encore des bruits différents, et c'est bien parce que ce sera pas que du tapping. Donc écoute bien. Ça me va trop bien. Oh la dinguerie. Ça me va trop bien. Prochain live, les amis, je le fais avec la couronne. C'est décidé. Ok, il nous reste deux objets à trouver. C'est le moment de continuer sur ta lancée incroyable. Des objets trouvés. Ou alors de te sauver de peut-être de ce test catastrophique. Excuse-moi, donc objet numéro 9. Et c'est le plus facile de cette série, de deuxième série d'objets. Donc c'est parti. Celui-là, normalement, il est trouvable. Et alors pour toi, quel est ce tout dernier objet? Alors c'était une petite règle, ma règle friends. Si tu m'as dit une règle, ça suffira. Et voilà, dis-moi un peu ce débrief de ce devine l'objet. On va passer tout de suite au prochain test. Mais j'espère qu'au moins sur les 10, est-ce que t'en as trouvé au moins 2 ou 3? J'espère. Dis-moi, je suis curieux de savoir combien t'en as trouvé sur les 10. Et on passe au prochain test. Je me suis remuni de mes gants parce que je pense que c'est l'heure du nettoyage. Je vais faire un très léger nettoyage de tes oreilles. Donc d'abord, je vais enlever les trucs un petit peu dérangeants de tes oreilles qui me posent problème. Et ensuite, je vais mettre un tout petit produit, d'accord? Donc je vais me remunir de mon oreille, de ma lumière.
Mais j'aurais besoin de mon oreille pour bien gérer ton oreille. Donc c'est parti. Laisse-moi faire pour l'instant, je vais juste, ça va peut-être te faire une petite sensation légèrement de douleur à l'oreille pour que j'enlève les bruits, enfin tout ce que je vois, d'accord? Donc laisse-moi faire. Commence par cette oreille. Je vais juste mettre un petit produit à l'intérieur de ton oreille, hop, avec mon pinceau. Donc ne bouge pas aussi, hein. C'est parti. Donc j'étale le produit à l'aide du pinceau. Je le fais d'un peu plus loin, mais en face de ce côté. Ok, super. Le dernier test qu'on va faire pour ce test avec les petits bruits, c'est que je vais faire un petit peu de tapping et tu vas tout simplement me dire si le tapping se rapproche ou s'éloigne de toi. Donc là, évidemment, je vais te demander de fermer les yeux, sinon ce serait trop facile. Et tu me dis quand est-ce que le tapping se rapproche ou s'éloigne. C'est parti. On va jouer avec le petit appareil photo. C'est parti.
vieux, sinon c'est pas drôle. Dans le respect et la politesse, surtout, je te le dis à chaque fois, mais sois surtout, surtout dans le respect et la politesse de tes oreilles. Les oreilles sont très importantes, donc sois, traite-les respectueusement et poliment. Et je te souhaite une bonne nuit, et je te dis à très vite. Good night.